Je suis agriculteur à Bagnolet dans la Somme et on est sur une parcelle d'agroforesterie plantée en 2007-2008. Objectif principal de créer de la biodiversité, d'augmenter la biodiversité dans une plaine de grandes cultures. Et puis aussi avec d'autres objectifs indirects comme la production de bois, la transformation de pain sur la ferme, puisqu'on a un four à pain. Augmenter le bien-être animal. Aujourd'hui, il y a une multitude d'essences. Le choix, il a été principalement de privilégier les essences locales. Donc on a aussi bien des buissons que des armes de OG. Ici, on peut voir du merisier, du saule, des chênes, de l'acacia. Il y a vraiment toute essence locale qui auront l'avantage de demander peu de soins et de pousser sans problème. Au bout d'une dizaine d'années, ça représente une petite semaine d'entretien entre la taille et puis le broyage des branches. On a été accompagné par la Chambre d'agriculture pour le montage de projets, par Bio de France également, et puis bien sûr par le pépiniériste qui est venu planter et qui nous a beaucoup conseillé sur les essences d'arbres à choisir. L'avantage le plus visible, ça va être pour le bien-être animal, puisqu'on voit très bien les bêtes, aussi bien l'été avec de l'ombre, aussi bien l'hiver avec du vent, des pluies froides. On voit les bêtes qui se mettent à l'abri et il n'y a pas besoin d'être très connaisseur, on le voit tout de suite. Après, on commence à en tirer du bois, du coup ça commence à être intéressant de ce côté-là aussi. Du bois de chauffage, des plaquettes aussi, enfin on broie des branches pour produire des plaquettes, on a une chaudière à plaquettes sur la ferme qui chauffe une maison d'habitation, les bureaux et puis la boulangerie. Les projets, ça va être un peu plus d'asseoir les productions, de réussir à entretenir également le linéaire de haies, puisqu'on a presque 10 km. Du coup, aujourd'hui, c'est quand même, on est quand même arrivé à une phase plutôt d'entretien et d'exploitation éventuelle.